Good morning, allez, Iden, les tu seras aujourd'hui, les Lunishmat, Amram, Yona, Ben Hana, Peggy, Batester, Nissim, Ben Aouda, Michael Novikov, et aussi Dirfouat, Ruth, Bat Claudine, Taïna, Simcha, Bat Masoud, Betor, Char, Cholé, Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet et Douyot, Perik Bet, Mishnah, Dalet. Shalosha, Dvarim, Amar, Rabbi, Ishmael, Ifne, Chachamim, Bekerem, Beyavne. Al beitza trufa shehi netuna al gabe yarak shel truma shehi chibur ve'im hayta kemin kova eina chibur ve'al shibolet shebakatzir ve'rosha magia lakama im niktzera im hakama arehi shel ba'al habayit ve'im lav arehi shel aniim ve'al gina ktana shehi mukefet aris אם יש בה כמלוא בוצר וסלו מכאן, ומלוא בוצר וסלו מכאן תיזרע. ואם לאו, לא תיזרע. Ce que je craignais de Masechet Edouyot est arrivé dans une Mishnah. On va avoir une Mishnah où on va avoir un témoignage de Rabbi Ishmael sur trois sujets complètement distincts. Un dans Hilchot Taharot, deux sujets dans Kilaïm, ça va être un sur Sugyot de Leket Shicha et Pea, Shicha plus précisément, et l'autre sur Kilaïm. Mais Bezrat Hashem, on va essayer de faire ça assez succinctement, donner les bases des Halachot et avec le petit ajout de Rabbi Ishmael. Shlosha dvarim amar Rabbi Ishmael lifnei chachamim bekerem beyavne. Trois choses Rabbi Ishmael a témoigné devant les chachamim lorsqu'ils étaient à Yavne. La Mishnah, littéralement, bekerem beyavne, ça veut dire dans la vigne de Yavne. En réalité, c'est pas qu'il y avait une vigne, c'est que les chachamim étaient assis en rangée. Et ça ressemblait à un kerem, d'autant plus que Knesset Israël, le Ham Israël, il est comparé au kerem d'Akadosh Baruch Hu, Karmi Shelil Lefanaï. Et voilà. Donc du coup, on a appelé ça le kerem Beyavne, le fait d'avoir les talmidim, les élèves, les disciples qui sont assis en ligne, même les chachamim qui sont assis en ligne, et entre eux, donc on compare ça à un kerem. D'accord? Ça c'est au kerem de Yavne. En tout cas, il y a eu trois témoignages de Rabbi Ishmael. Masechet Edouyot, c'est des témoignages. Donc il est venu témoigner sur trois halachot. Premier sujet, d'abord on traduit, après on explique. Al beitza trufa shei netuna al gabe yarak shel truma. Sur un œuf battu, d'accord, quand on a fait une omelette, on l'a mélangé, le blanc et le jaune, ça s'appelle le chelbon, chelmon, pour ceux qui veulent lire le Barthénora. Chelbon c'est le blanc, comme chalav c'est blanc, et chelmon c'est le jaune. Donc en tout cas, on mélange comme ça, on fait un œuf, on les mélange et on le verse al gabe a yarak. Et on le verse sur du yerek shel truma. Un légume de truma, par exemple, il s'est fait une, je sais pas moi, des pommes de terre de truma, il les a fait rôtir avec, en versant de l'œuf dessus, il s'est fait une omelette aux pommes de terre sautées, d'accord? Donc il a versé de l'œuf dessus. Chez hi-chibur, eh ben, on considère ça que l'œuf lui-même est un chibur. Il associe. On va expliquer pour quelle raison. On parle de l'chot tuma vetara. Veim haïta kemin kova, par contre. Si l'œuf, il a gonflé, il a fait une sorte de chapeau, c'est-à-dire l'œuf, ça arrive que des fois on fait cuire l'œuf, et l'œuf il gonfle, quand on fait l'œuf au micro-ondes, ça arrive encore, je ne sais pas à l'époque, selon ce qu'on mélange dans l'œuf, je ne sais pas, en tout cas, il a gonflé comme ça, il a fait une sorte de kova, de chapeau, donc il a fait une bulle, en fait. Eina chibour, ce n'est pas un chibour, ça ne rallie pas. On explique de quoi on parle. On parle qu'il y a ici quelqu'un qui est tamé, par exemple un tvoulium. Ouais, on l'a évoqué dans la Mishnah précédente, ou je sais plus, une des dernières Mishnah notes, celui qui s'est trempé dans la journée, que pour le moment, jusqu'au soir, il n'a pas le droit de manger de la trauma, il n'a pas le droit non plus de toucher de la trauma. S'il touche de la trauma, il la rend tmea. Maintenant, ça, c'est une sorte de touma qui ne concerne que la trauma. Ça veut dire, si cette personne qui s'est trempée, on va prendre un cas, un Baal Keri, je pourrais, par exemple, il s'est trempé au Mikvé, aujourd'hui, il est de volium. Si c'est un Kohen, il avait une sorte de touma, donc une impureté qui est sortie de son corps. Et il s'appelle Baal Keri, il doit se tremper au mikvé pour redevenir Tahor. Dans la journée, il s'appelle Tvoul Yom. Il a une impureté très fine, très petite. Où il peut toucher toutes sortes d'aliments, il ne les rend pas tamés. Mais s'il touche de la touma, il la rend tamée. Il la rend impure. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce monsieur, il va, comme on a dit, il a fait une omelette. Il a pris des pommes de terre coupées en morceaux, par exemple, et il a versé sur ça de l'œuf. S'il touche l'œuf lui-même, il ne rend pas l'œuf tamé. Mais s'il touche les pommes de terre, il rend les pommes de terre tméotes. D'accord? C'est normal, parce que les pommes de terre, elles sont de trauma, tandis que l'œuf ne peut pas, et il est forcément chouline. Si toutefois, il en a fait un seul plat,
D'abord, on va prendre un cas simple. Il a fait un plat très homogène. Il a fait une sorte d'omelette comme ça avec la pomme de terre écrasée. Il a mélangé l'œuf dedans. Alors là, bien sûr, bien évidemment, dès qu'il va toucher un petit bout de l'omelette ou de ce plat de d'accord, dès qu'il va toucher un côté, il va tout entamer puisque tout est devenu un seul grand morceau. Notre question maintenant dans notre Mishnah est de savoir, lorsque j'ai coupé plusieurs rondelles de pommes de terre, de trouma, et que j'ai versé sur ça de l'œuf, et que le tamé vient et touche l'œuf, est-ce qu'on considère le tout comme un seul plat, une unité, une entité? Et donc dans ce cas-là, il a touché cette entité, et l'entité elle est dans sa majorité de trouma, donc tout est devenu tamé, parce qu'il a touché de la trouma, même si concrètement il a touché que l'œuf de la trouma, mais l'œuf, il n'y a plus d'œuf, tout ça c'est une seule omelette de trouma, donc il a rendu tamé. Ou bien non, est-ce qu'on va dire qu'il y a ici deux choses? Il y a ici de l'œuf qui relie des morceaux de pommes de terre, mais il y a deux entités différentes. Eh bien, Rabbi Shmuel vient et nous raconte et nous dit comme ça. Ça dépend. Si toutefois, l'œuf, il s'est bien mélangé aux pommes de terre, il a tout collé, il a tout figé. Alors, il a tout collé, c'est devenu un seul grand morceau, une seule entité. Le fait de toucher même l'œuf dans un endroit fait qu'en fait, tu n'as pas touché l'œuf, tu as touché toute cette omelette aux pommes de terre sautées. Donc, tu rendras tout tamé, si tu es de volume, tu rendras tout tamé. Tandis que, si l'œuf, lorsque tu l'as versé, dans la cuisson, il s'est mis à faire une bulle. Donc l'œuf, il ne s'est pas mélangé avec les pommes de terre. Il ne les a pas assez reliées. De ce fait, si tu touches l'œuf, alors tout est resté tahor, étant donné que tu as touché uniquement, tu as touché l'œuf et tu n'as pas touché les pommes de terre, parce que ça n'a pas formé une seule entité. On a fini le premier sujet de la Mishnah. Deuxième sujet de la Mishnah. Val shibolet shebakatsir verosha magia lakama. Im niktsera im akama, alors on traduit. Shibolet, c'est un épi. Un épi, lorsqu'il était en train de couper, de semer, de cueillir le blé, il y a un mot spécial, le blé, c'est pas grave, les moissons, de moissonner le blé. Il était en train de couper le blé, et là-bas, il a oublié un épi. Et ce qui se passe, c'est que Rocha, on va expliquer le problème, d'accord, après, mais d'abord, je traduis les mots, « Verocha magia lakama » et il y a l'épi qui est planté, la tête, si on baisse l'épi, il va réussir à toucher la kama, les autres. La kama, c'est un autre mot qui veut dire les épis qui sont plantés, dans le sens qu'ils sont debout, ils sont encore plantés. S'il le baisse, il réussit encore à le faire atteindre les épis qui sont à côté, qui sont encore plantés. Alors, Verosha Magia, la kama, donc la tête de cet épi, touche le bas des autres épis. Alors, la Mishnah nous enseigne. Im niktera imakama, si tu réussis à le cueillir en même temps que les autres épis, dans la même lancée, tu réussis à les tenir les deux et à passer un seul coup de couteau pour les cueillir les deux. Arei shel bala bait, ça appartiendra au propriétaire. Veim lav, et si ce n'est pas le cas, arei shel anim, ça appartiendra aux pauvres. On explique un peu mieux de quoi on parle. On va parler de la Mishnah de. Il y a leket shichra et pea, on va parler ici de shichra, plutôt de shichrat kama. Soit, il y a une halakha d'abord dans la Torah. De manière générale, toutes sortes de dons qu'on doit faire aux pauvres lorsqu'on cueille, à part le prélèvement des troumot ou maasrot, il y a le fait de laisser la PA, un coin dans le champ, il y a aussi ce qu'on appelle le leket, la shicha, et qui sont quoi? Alors il y a deux cas de figure, il y a lorsque j'ai cueilli le blé, qu'après je l'ai ramassé, j'ai laissé quelques petits épis par terre, selon la quantité, on va te dire 1 et 2, c'est un oubli, mais si tu as laissé 3, alors c'est un oubli trop important, ça veut dire que tu n'as pas fini de tout ramasser. D'accord? Ça c'est pour le leket. Pour le leket. Alors on va parler de shichrat kama. Il y a aussi une autre halakha. Lorsque j'ai pris ma faux, je crois que ça s'appelle, le magal, le couteau avec lequel on coupe, ça s'appelle une faux, il me semble. Alors j'ai cueilli avec le magal, j'ai comme ça coupé le blé. Et puis il s'avère que j'ai continué à avancer. Putain, je me retourne. Et je remarque que j'ai laissé là-bas un ou deux épis plantés tout seuls. Alors, je ne pourrais pas repartir les chercher, je devrais les laisser planter. Et les pauvres, ensuite, une fois que j'ai fini de tout cueillir, les pauvres viennent, entrent dans le champ et voient tous les oublis que j'ai eus. Ils peuvent les ramasser. C'est une halakha que la Torah a dit, je ne repasse pas derrière pour ramasser mes oublis. Maintenant, à partir de quand on considère un oubli? Imaginez que j'étais sur le point de cueillir. Et après, j'ai cru que je devais passer déjà une autre rangée. Après, je me dis, non, il me reste là-bas encore un mètre de blé à cueillir. Alors, bien sûr, ça ne s'appelle pas un oubli. Un oubli, c'est un épi ou deux épis que tu as réellement t'es passé à autre chose. À partir de quand on considère que tu es passé à autre chose? La Mishnah nous enseigne. On va prendre, j'avance sur une ligne. Je suis gaucher, alors j'avance dans le sens, d'accord? J'avance dans le sens, je commence à couper, et après j'avance, je ramasse les épis et je les coupe. Je ramasse les épis et je coupe. Je ramasse les épis et je coupe. D'accord? Si maintenant j'ai oublié en début de rangée un épi qui restait planté, alors, si cet épi,
Maintenant, le Mishnah m'enseigne d'abord, premièrement, premier paramètre. Si, une fois que j'ai fini de cueillir, donc lui, il s'est déjà séparé du reste, puisque lui, je l'ai oublié à l'arrière. Si pour le moment, cet épi, il peut se baisser et toucher encore l'épi qui est à côté que, sur lequel je ne suis pas encore passé, que je suis en train d'y arriver. Il peut encore se coucher et le toucher. Alors pour le moment, on va le considérer que ça forme une entité. Que c'est encore. Ça, c'est pas encore un oubli, mais à une condition que cet épi que j'ai oublié, avec le nouveau groupe d'épis que je vais pouvoir ramasser, que je puisse tous les réunir et les cueillir ensemble. Si toutefois je ne parviens pas à les réunir et les cueillir ensemble, alors ça y est, c'est trop tard, ça s'appelle que tu l'as oublié, c'est devenu une shichecha. D'accord? Je refais ça dans les mots. Valshibolet sheba katsir. L'épi du katsir, donc de la moisson, verosha magia lakama, dont la tête parvient encore à atteindre la tige, de l'épi qui est à côté de lui, sur lequel je ne suis pas encore passé. Alors la Mishnah me dit Im niktsera ou niktseret, je ne sais plus dire ça. Im niktsera imakama, si tu réussis à l'accueillir en même temps que l'autre épi, ah ouais, elle se fait cueillir en même temps, imakama, en même temps que l'autre kama, arei shel balabait. Dans ce cas-là, elle n'appartient pas encore au pauvre. C'est pas encore une shikha, elle t'appartient à toi, tu as le droit de la prendre et de la couper les dents en même temps et de la ramasser. Veim lav, par contre, si ce n'est pas le cas, ou. C'est-à-dire que tu réussis peut-être à la faire toucher, mais en tout cas, tu n'as pas de moyen de les prendre les deux ensemble et de les couper ensemble. Ça y est, un rei chez l'anime, ça appartiendra aux pauvres. On a fini le deuxième sujet, on passe à présent au troisième sujet de Kilaïm. Et alors là, je pense qu'on va quand même traduire, histoire de s'acquitter des mots, mais il va falloir beaucoup plus d'introduction pour expliquer ce qui se passe. Ve'algina ktana sheim ou kefet aris. Il y avait un petit jardin potager, ouais, un petit potager, une guina, comme on va à la guina avec les enfants, Sheim ou Kefet Haris, qui était entouré d'un haris. C'est quoi un haris? Très succinctement, la vigne est une plante grimpante. D'accord? Elle a besoin, pour pouvoir s'élever, elle a besoin d'avoir un mur à côté ou de planter des tasseaux, de lui proposer, c'est comme ça on faisait des soukotes gefanim, pour qu'elle puisse grimper et comme ça donner ses fruits, sinon elle reste sur place, elle ne grimpe pas et elle ne fait pas sortir ses fruits. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on utilise donc cette plante pour en faire des décorations, comme c'est fréquent en Israël, on fait ça avec le passiflora, comment ça s'appelle, le fruit de la passion. C'est une plante grimpante aussi, on prend une barrière, on plante cette plante à côté, et puis comme ça, ça grimpe, ça fait une jolie barrière, au lieu que ce soit du fer ou du bois, ça fait une barrière naturelle, comme ça, ça attire tous les cafards, c'est parfait. D'accord? Donc voilà, on fait comme ça, ils ont fait une barrière, c'est ce qu'on appelle un haris. Ça vient du mot RS. Qui est un lit, RS Yetsui, RS Devaï, on en parle dans les Teilim fréquemment, RS c'est un lit, en fait c'est parce qu'en fait on a planté une barrière à côté d'une vigne pour que la vigne monte dessus et recouvre entièrement la barrière, d'accord? Ce qui se passe donc dans notre Mishnah pour le moment, on va parler d'un petit potager qui est entouré, encerclé d'un haris, donc de cette barrière recouverte de vignes. Ça va être un problème de Kilaïm de planter. C'est le sujet de la Mishnah donc. Im yeshba kemelo botser vesalomikan. Et bien la Mishnah m'enseigne. Tu as maintenant, disons, on va prendre les deux extrêmes, ça revient même, il faut qu'il y ait les quatre. Ben, même si on n'a qu'une ici et une ici, c'est la même chose. Si tu as maintenant deux rangées, par exemple, deux barrières qui sont recouvertes donc avec les vignes, et tu veux planter au milieu des graines de peu importe de ce que tu veux. Des graines de courgettes. Tu vas planter des courgettes, un petit potager de courgettes au milieu. Alors là, tu as un problème de Kilaïm. Tu n'as pas le droit de les planter. On va expliquer plus pourquoi, quoi précisément, quels sont les facteurs qui interviennent. Mais en tout cas, tu as un problème en théorie de planter des courgettes au milieu de la vigne. D'accord? Au milieu des pieds de vigne. Il y a en théorie un problème de Kilaïm que tu les plantes un à proximité de l'autre. Tu n'as pas le droit. Selon le cas, alors la Mishnah m'enseigne. Im yeshba kemelo botser vesalomikan. Si tu parviens à, d'une barrière qui est recouverte de vignes, à amener, lorsque la personne va venir les cueillir, il va pouvoir rentrer avec son sal, avec son panier, se mettre tranquillement et les cueillir, en même temps que de l'autre côté, il y a aussi une autre personne qui vient, qui va les cueillir aisément, en mettant son panier aussi par terre. Donc regardez la largeur qu'il y a entre les deux. Alors, dans ce cas, puisque c'est tellement large, la Mishnah Rabbi Shmuel m'enseigne « Im yesh » donc « Kemelo botser vesalo mikan » Le botser, c'est celui qui cueille. « Melo » c'est toute la largeur. « Vesalo » c'est son sal, son
son panier. Donc, s'il y a au milieu, kemelo botser vesalomikan, aussi bien que la largeur de celui qui cueille, qui fait les vendanges, comment ça s'appelle, et son panier d'un côté. Umelo botser vesalomikan, et de l'autre côté aussi, ouais, face à l'autre mur, on réussit à mettre celui qui cueille avec son panier, et tous les deux sont assez à l'aise. Alors là, il y a tellement d'espace entre les deux barrières de vigne qu'on considère que ce n'est pas une seule entité, mais que dans ce cas-là, Tizaréa, on aura le droit de planter un potager au milieu. D'accord, je continue la phrase, Veimlav, mais s'il n'y a pas assez de place pour que ceux qui vont cueillir puissent rentrer chacun, se mettre côte à côte avec leur panier et travailler tranquillement, ça fait l'équivalent de 2 amotes, donc il y a moins de 4 amotes en tout, donc c'est trop étroit. Alors là, on considère que ça forme une seule entité, c'est un champ de vigne, et de ce fait, tu n'as plus le droit de planter. Et regardez que maintenant qu'on a assez traduit, on s'est déjà familiarisé avec la notion. Succinctement, l'interdit de Kilaim, il est vaste, c'est les mélanges interdits. Parmi les mélanges interdits de la Torah, alors on n'a pas le droit de Lotizra Karmecha Kilaim. Tu n'as pas le droit de planter ton vignoble, de planter dedans une autre graine de blé, d'orge ou même de n'importe quel légume. D'accord ? On n'a pas le droit de planter. C'est les mélanges interdits, les mélanges de plantes. Maintenant, il y a deux facteurs qui interviennent. De manière générale, on a tendance à croire que l'interdit, c'est uniquement la yénika, le fait de puiser des forces. Certes, ça intervient, ça rentre en ligne de compte, mais ce n'est pas le seul problème. C'est-à-dire, s'il y a deux problèmes d'abord, lorsque je plante deux graines, une à côté de l'autre, une puise des forces de l'autre. La Gemara raconte, dans Baba Kama, je crois, où il y avait là-bas un palmier qui faisait sortir des dattes qui avait un petit goût de raisin, parce qu'il était planté à proximité d'un vignoble. Genre, c'est comme si ça lui pompait des forces. Ça pompe des forces au point où même ça va se ressentir dans le goût. Et même si ça se ressent pas dans le goût, ça se ressent dans la qualité. La terre, pour qu'elle puisse bien donner aux arbres à pousser, elle doit être concentrée sur un seul arbre. Elle ne doit pas se disperser entre deux. Il ne faut pas qu'il y ait un qui puise des forces de l'autre. Les plantes, bien sûr, ça puise des forces, ça use, donc ça abîme l'un et l'autre. Et ça, c'est là l'interdit de Kilaim, que la Torah l'interdit, le mélange. Mais en réalité, le problème n'est pas uniquement de puiser des forces, mais surtout même le fait que ça a été planté sous forme de mélange. Concrètement, pour vous donner une idée, par exemple, si je plante, de manière générale, j'ai une barrière, je plante d'un côté un arbre et de l'autre côté une autre plante, et ben même si concrètement sous la terre, une pompe de l'autre, puisque c'est pas ni rebeyachad, c'est pas vu en même temps, alors il n'y a plus d'interdit de Kilaim. L'interdit de Kilaim, il est uniquement lorsque tu plantes tout en pêle-mêle, comme ça, tout est mélangé en même temps. Alors là, c'est là où il y a un interdit de Kilaim. D'accord ? Je reviens maintenant, je me concentre plus sur la Mishnah, et en expliquant. Le problème de la Torah m'a dit, l'otizra karmecha Kilaim. Si tu as un vignoble, tu n'as pas le droit de planter dedans des autres graines. Mais si tu as une vigne, il y a. C'est-à-dire, l'interdit, il est spécifiquement lorsque tu as fabriqué un vignoble. Un vignoble, ça implique qu'il y ait au moins 5 pieds de vigne qui sont plantés, 2 d'un côté, 2 de l'autre, vers Radio Tzana, vers un autre d'un autre côté. Peu importe, c'est une quantité parce que maintenant il y a un vignoble. Alors là, si tu as un vignoble, tu n'as pas le droit de planter à l'intérieur de ton vignoble une graine étrangère qui n'est plus de la vigne. Alors là, toi, parce que tu plantes au milieu de ton vignoble. Maintenant, à partir de quand on considère comme un vignoble? C'est ce que la Mishnah justement vient me dire. Sache qu'au début, tu avais juste une petite guina, un petit jardin, un petit potager, et que tu t'es mis là-bas des pieds de vigne, des deux côtés. Et bien, tu as peut-être un problème, parce que peut-être que là, tu t'es créé un vignoble. Alors, tout dépend de quoi? Tout dépend, est-ce que je considère qu'il y a ici un grand vignoble ou pas? Quel est le paramètre qui va me définir? Et bien, si tu les as tellement rapprochés, ces deux barrières de vigne, elles sont tellement rapprochées au point où tu ne réussis pas à passer d'une à l'autre facilement, alors là, je considère que les deux forment une seule entité. C'est-à-dire que tu as l'intention de. Ça forme un seul vignoble, et dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de rien planter au milieu. Tandis que si elles sont tellement éloignées, au point où on peut cueillir aisément d'un côté et cueillir aisément de l'autre côté. Donc de ce fait, je considère que tu as ici une rangée de vignes, et tu as ici une deuxième rangée de vignes. Mais il n'y a pas de rapport entre les deux, donc il n'y a pas de vignoble entre les deux. Alors là, le seul problème sera quoi? Sera de planter des plantes à trop grande proximité. Ce sera un adalachot fixe. Ça suffira d'éloigner de 6 tfachim, l'équivalent de 60 cm, plus ou moins. 60 cm d'un côté et 60 cm de l'autre. Puisqu'il n'y a pas ici le vignoble, il n'y a pas ici de jardin, ça ne forme pas un seul vignoble. Donc dans ce cas-là, tu dois juste te soucier de ne pas planter franchement au-dessus des racines, tu fais entrer. Tandis que si les deux barrières sont tellement rapprochées, alors tout ça forme un seul vignoble, c'est comme si c'était un champ de vigne,
Et donc, tu n'as plus le droit de planter une graine étrangère au milieu. Et bah, Baruch HaShem, on a fini cette Mishnah qui était relativement compliquée. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Salam.